Gallus gallus est un oiseau de basse-cour très commun et proche de l'homme. La gensée est une race de poules locales, descendante des souches anciennes élevées dans les fermes d'Ille-et-Vilaine. Elle fit son apparition dans les expositions avicoles en 1925 et enregistra la Société Centrale d'Aviculture en 1931. Ce poulailler a été créé dans le but de pouvoir lutter contre les frelons asiatiques qui étaient nocifs pour les ruches installées dans l'enceinte du lycée. C'est une bonne pondeuse, couveuse et éleuse. Dès le lever de l'aube, les poules commencent leur journée et restent actives pour le reste de la journée jusqu'au crépuscule. Les poules évoluent dans un habitat qui, en règle générale, un enclos avec une volière, un habitat, ainsi qu'un parcours extérieur. L'enclos doit être proportionnel à la quantité de poules présentes dans votre jardin. La poule s'abreuve plusieurs fois d'eau par jour. La poule pond environ 1 à 2 œufs par jour et possède des périodes dans l'année de non-ponte, comme quand l'hiver fait son apparition. Dès qu'elle éprouve un besoin d'obtenir des petits, elle va commencer à couver des œufs et puis élever ses petits pendant 21 jours, si les œufs sont fécondés. Pour réaliser la différence entre une poule et un coq, cela est très simple. Il va falloir regarder quelques points, tels que la crête qui va être plus grande du coq par rapport à la poule. Sa taille et sa corpulence, le coq va être aussi plus gros et plus grand que la poule. De plus, la majorité sexuelle du coq va être de 5 mois, alors que la poule va être de 6 mois. La poule est omnivore et se nourrit principalement de blé, mais peut se nourrir aussi de tout ce qu'elle va trouver dans le sol pendant sa journée. Les poules passent leur journée à se balader et à gratter le sol pour se nourrir, avec ce qu'elles peuvent trouver. Pour la maintenance des poules, il va vous falloir au moins un grillage de 2 mètres pour se protéger des prédateurs et éviter les fuites des poules. Une fois sa journée terminée, les poules se retentent se coucher dans leur abri pour se protéger des prédateurs nocturnes ainsi que de la température et des perturbations météorologiques.